Bonjour à tous, bienvenue sur Acteur Public TV. Merci de nous retrouver pour ce nouveau Talent Public, l'émission de la rédaction consacrée à la gestion des ressources humaines dans le secteur public. Nous allons parler des ambassadeurs, nous allons parler des diplomates, nous allons parler plus largement des métiers du Quai d'Orsay. Ce sont des professions qui évoluent au rythme des transformations de l'action publique, mais aussi bien sûr au rythme de l'actualité et des tensions internationales. Comment les ambassadeurs sont-ils devenus des managers multicartes? C'est l'objet de cette émission pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Caroline Ferrari. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être là, Madame la Directrice des Ressources Humaines du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Sabina Grenet, bonjour. Bonjour. Vous êtes diplomate, chef de mission au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, c'est bien ça, et vous partez dans quelques semaines pour être la numéro 2 de l'ambassade du Liban, au Liban. Merci vraiment de partir. Participer à cet échange. Pour lancer notre discussion, je vous propose un témoignage, le témoignage d'Isabelle Dumont. Elle est aujourd'hui ambassadrice de France en Ukraine. Écoutez ce qu'elle disait, c'était avant de partir là-bas, ce qu'elle disait de son métier juste avant de prendre ses fonctions. On regarde, on en parle juste après. Au départ, quand on m'a proposé ce poste, j'étais inquiète, hein, je crois qu'il faut le dire, à la perspective des questions de management, des questions de sécurité, des questions politiques. Est-ce que je serai à la hauteur pour parler à un ministre? Est-ce que je vais réussir à faire face aux difficultés internes de l'ambassade? Est-ce que je vais réussir à comprendre les aspects financiers, par exemple? Je dirais qu'aujourd'hui, au fur et à mesure que je me prépare à tout cela, je ne dis pas que j'y vais totalement tranquille et en me disant qu'il n'y aura aucun problème, mais je me sens préparée puisque véritablement il faut se muer, opérer une mue, se projeter dans ce métier d'ambassadeur. Voilà, c'était en 2015, un documentaire, ou plutôt une série d'excellents documentaires du Quai d'Orsay sur les professions du Quai, sur les institutions internationales, des documentaires que nous reprenons sur Acteur Public TV, que nous mettons en perspective. Et en débat, je me tourne vers vous, Caroline Ferrari, quand je dis des ambassadeurs, des consuls, des diplomates devenus ambassadeurs multicartes, Isabelle Dumont le dit en substance avec ses missions managériales, finance, RH, etc. Est-ce que ça résume bien l'évolution de ces métiers ? D'abord, je crois qu'Isabelle Dumont montre bien que devenir ambassadeur, ambassadrice en l'occurrence, c'est le résultat d'un parcours et que c'est un métier, que ça s'apprend, qu'on s'y prépare et qu'on le devient au fur et à mesure d'une expérience professionnelle variée, diversifiée, à Paris, à l'étranger, et que donc l'administration doit être là pour vous accompagner dans ces différentes étapes et vous préparer le mieux possible à assumer ces fonctions qui sont des fonctions, effectivement, je peux reprendre à mon compte votre expression, multicarte. Effectivement, le métier est extrêmement diversifié, c'est un métier des métiers. Et Sabina Grenet, on voit bien, on parle sécurité, management, RH, finance, questions budgétaires, donc des problématiques opérationnelles très larges, c'est ça, vous le constatez? Absolument, absolument. Moi, ce que je voudrais ici, c'est peut-être un peu tordre le cou à ce cliché de l'ambassadeur qui fait essentiellement des relations publiques, parce que ce n'est plus, je ne dirais pas, ce n'est plus du tout ça, mais c'est ça et beaucoup d'autres choses, en fait. On a tout au long de notre carrière et parfois simultanément à exercer tout un tas de métiers très différents, qui vont effectivement de la représentation, de la négociation politique à la défense des intérêts de nos entreprises, hein, ce qu'on appelle la diplomatie économique, qui est un point très très fort, enfin un axe très fort du travail des ambassadeurs et des diplomates aujourd'hui, à la diplomatie d'influence, on pense bien sûr à la promotion du français ou à la défense de la culture française, mais aussi, et j'y reviendrai peut-être un petit peu plus tard si vous me permettez, mais à tout ce qui est service aux Français et à nos concitoyens, parce que une grosse partie du travail du diplomate aujourd'hui, c'est aussi d'accompagner les communautés françaises à l'étranger, et en particulier dans les situations de crise que
je connais un petit peu mieux que d'autres. On va en dire un mot juste quand, à vous écouter évoquer ces stéréotypes. Je pensais à une publicité très très ancienne, mais voilà. C'est celle-ci que je pensais également. On va pas dire que c'est une pub qui s'appelle Ferrero Rocher qui est à 200 km ou enfin à 180 degrés de vos missions. Vous l'avez très bien dit. Caroline Ferrari, est-ce que Sabina Grenet parle justement des usagers. Est-ce que aujourd'hui vos métiers sont devenus collaboratifs, transverses, numériques aussi, vous parvenez à placer l'usager au cœur de l'action des professionnels, au cœur de votre ministère ? Tout à fait. Nos ambassades dans le monde, je rappelle que nous sommes le troisième réseau mondial avec une très grande dispersion géographique. Nos ambassadeurs dans tous les pays du monde sont au service d'usagers qui sont les communautés françaises, qu'elles soient résidentes. Je rappelle que plus de 2 millions de Français vivent à l'étranger aujourd'hui, qu'elles soient de passage, les touristes, qu'elles fassent des études, les étudiants qui sont aussi de plus en plus nombreux à poursuivre leur cursus à l'étranger. Donc nos ambassades sont au service de ces communautés, elles sont aussi au service de nos entreprises. Salina l'a dit, nos ambassades maintenant intègrent complètement la dimension de soutien au développement international de nos entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. C'est nouveau ça, par rapport à il y a 5 ans ou 10 ans ? Ça a toujours été présent dans le métier de l'ambassadeur, mais ça s'est évidemment beaucoup développé depuis que le ministère a repris dans ses attributions le commerce extérieur et le tourisme, donc depuis 2014, et confirmé lors de la formation du dernier gouvernement. Salina Grenet, je le disais, vous êtes chef de mission au centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay. Un mot sur les missions du centre de crise ? Alors, merci de me donner cette occasion de parler du centre de crise, parce que je crois que c'est un très très bel outil qui a été mis à la disposition du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il a été créé il y a 10 ans maintenant, puisqu'on va bientôt commémorer donc la création du centre de crise en 2008 par Bernard Kouchner, qui pensait qu'il fallait professionnaliser la gestion de crise au sein du Quai d'Orsay. Donc le centre de crise et de soutien aujourd'hui, c'est quoi ? C'est principalement deux grandes missions. La protection de nos communautés françaises à l'étranger en cas de crise. Et la deuxième grande mission, c'est l'accompagnement des pays partenaires qui ont traversé une crise à l'accompagnement de ces pays avec des projets, de l'aide humanitaire, de l'aide à leur stabilisation. Donc ça, ce sont ces deux grandes missions. Sur la première mission, c'est assez peu… alors, ce qui est connu du centre de crise, c'est le site Conseil aux voyageurs, tout le monde en a entendu parler. On y va à chaque fois qu'on parle. C'est un outil. On a eu 7,6 millions de visiteurs l'année dernière, je crois, sur ce site, avec 87% de visiteurs qui se disent satisfaits, enfin qui disent avoir trouvé la réponse à leurs questions. C'est aussi un autre site qui s'appelle le fil d'Ariane, sur lequel s'enregistrent les voyageurs et qui nous permet, en cas de crise ou de complications dans un pays, d'envoyer des messages, des alertes pour prévenir un peu les éventuels problèmes qui pourraient toucher nos communautés françaises. Et puis, la gestion de crise, c'est aussi l'animation de cellules de crise lorsqu'il y a des attaques terroristes à l'étranger, mais aussi sur le territoire français, bon, ça c'est une autre affaire. Et puis, c'est l'assistance aux victimes, c'est l'assistance aux familles, voilà. Ça, c'est un travail quotidien que le centre de crise mène avec peu d'agents, finalement, pour une mission qui est, moi je trouve, une très très belle mission au service de nos compatriotes. Un mot, Caroline Ferrari, sur ces missions, elles s'accompagnent d'une formation, d'outils, de sensibilisation venant de la DRH ? Oui, le CDCS lui-même, d'ailleurs, est au service de nos collègues qui sont sur le terrain dans les postes les plus exposés. Donc le CDCS, avec la DRH, organise des formations pour préparer le mieux possible nos collègues qui sont amenés à servir dans des postes difficiles. Malheureusement, ils sont de plus en plus exposés, en particulier en Afrique subsaharienne. Salina Grenet, comment on construit sa carrière au Quai d'Orsay aujourd'hui ? Est-ce qu'on arrive à se projeter ? J'ai regardé votre parcours, donc vous êtes chef de mission au centre de crise de soutien, vous allez partir au Liban, tout ça c'est un prolongement, ça vous permet d'être plus efficace de poste en poste. Si je puis dire, comment on construit sa carrière ? Comment on arrive à se projeter à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans ? Alors,
C'est vrai que c'est un peu loin, lorsqu'on entre au ministère des Affaires étrangères. Enfin, moi, j'étais jeune diplomate il y a 21 ans. Maintenant, je suis entrée au ministère des Affaires étrangères. J'avais effectivement pour cette vision du diplomate négociateur, porteur d'une diplomatie, d'une politique. Et en fait, je ne voyais pas les autres métiers qu'il y avait derrière, donc les métiers de la culture, les métiers de la coopération, de l'aide au développement, et les métiers consulaires ou d'assistance à nos communautés françaises à l'étranger. Je les connaissais assez mal, en fait. Donc j'ai fait toute une première partie de ma carrière sur les affaires politiques, plutôt, en particulier autour du Moyen-Orient, parce que c'est un petit peu ma zone de prédilection, puisque c'est ce qui explique d'ailleurs que je vais retourner bientôt au Liban, je m'en réjouis beaucoup. Et puis après, est venu un moment où je me suis dit, j'ai envie de faire autre chose, et c'est là où j'ai exercé donc deux métiers un petit peu, enfin très différent, qui était donc à la direction de la coopération culturelle et de l'audiovisuel extérieur, donc des métiers qui sont plus liés à l'influence et à la promotion de notre culture, de notre, ce qu'on appelle un petit peu vulgairement hein, le soft power. Oui, mais ce qui est assez mal connu sur cet aspect-là, c'est aussi que on accompagne, par exemple, les industries culturelles et créatives. On n'en parle pas beaucoup, mais le diplomate peut avoir un rôle à jouer pour accompagner la filière, le cinéma, la filière du livre, la filière de la musique. Donc ça, c'était un métier que j'ai souhaité acquérir, donc je l'ai fait pendant une brève période. Et maintenant, donc, au centre de crise et de soutien, là, je suis entrée directement ces deux dernières années dans toute cette problématique de la gestion de crise au sens large, avec, on sait que c'est une thématique de plus en plus d'actualité avec multiplication des crises. Juste pour rebondir, Caroline Ferrari, est-ce que, de manière simultanée à ces métiers dont les missions se sont élargies, est-ce que les RH, hein, si je puis dire, se sont professionnalisés au Quai d'Orsay pour avoir peut-être une boîte à outils, je ne sais pas si on peut dire les choses comme ça, mais un certain nombre de dispositifs pour accompagner ces professionnels, vos professionnels? Nous sommes surtout développés dans deux directions. Nous avons essayé ces dernières années de mieux accompagner de manière individualisée le parcours des agents, puisque nous sommes un ministère qui permet des carrières longues. Nos collègues entrent au ministère pour y faire carrière, à la différence d'autres ministères sans doute, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas à un certain moment de leur parcours en sortir pour des mobilités, soit dans d'autres administrations, soit dans le secteur privé, mais ils souhaitent quand même, ils sont attachés au ministère. C'est un ministère qui est une famille, parce que c'est vrai aussi que vivre à l'étranger, loin de ses bases, ça entraîne des relations sans doute plus étroites entre les collègues. Et donc, pour accompagner les collègues tout au long de ces parcours, nous avons mis en place un pôle qui est composé de trois spécialistes hein, de la construction de parcours, qui permet d'accompagner les agents dans la construction de leur parcours. Nous avons aussi développé nos formations. Oui. Puisque c'est bien beau de pouvoir changer de métier, et donc d'offrir des parcours diversifiés, encore faut-il avoir les compétences pour assumer dans de bonnes conditions ces différentes facettes dont a très bien parlé Salina. Et donc nous faisons en sorte qu'avant chaque départ en poste sur de nouvelles fonctions, l'agent peut bénéficier d'une formation adaptée. Nous avons aussi beaucoup développé nos formations en management. Oui. Puisque le métier de diplomate, peut-être contrairement à une idée un peu reçue, est un métier de manager. Ce n'est pas du tout un métier solitaire, c'est un métier du collectif. Et de plus en plus dans des contextes difficiles, resserrés, puisque nos équipes sont de plus en plus petites. Et donc cela suppose de développer des qualités managériales qu'il faut apprendre à développer. Des équipes de plus en plus petites, hein, ça ne va peut-être pas aller en s'arrangeant. Je crois que le gouvernement a annoncé la baisse de 10% des fonctionnaires à l'étranger, mais c'est une décision du gouvernement. Juste en rebond, Salina Grenet,
une boîte à outils, des possibilités d'évoluer. Comment vous combinez cette action concrète et puis la nécessité aussi d'avoir un regard très large sur la manière dont évolue le monde? Vous êtes spécialiste des enjeux de sécurité, vous allez au Liban dans un secteur un peu compliqué. Comment on fait pour à la fois être les mains dans le cambouis, si je puis dire, et avoir un regard peut-être plus transverse, plus général, plus prospectif? Je crois que le maître mot pour un diplomate, c'est la polyvalence. Donc, il faut réussir d'une manière ou d'une autre à assumer ces deux rôles. Et là, la fonction que j'occupe à l'heure actuelle, qui consiste à développer des projets pour accompagner des pays qui ont traversé une crise ou qui sont en sortie de crise, pour les aider à se relever, ça combine exactement les deux aspects dont vous parliez, c'est-à-dire un aspect politique, il faut comprendre ces pays, connaître leur actualité, suivre toutes les évolutions et qui peuvent se produire dans ces pays pour bien comprendre de quoi on parle. Et ensuite, l'action, c'est-à-dire la mise en œuvre de projets, mais qui vont correspondre exactement aux besoins qui auront été déterminés par cette analyse approfondie de leur situation. – La question des mobilités aussi se pose dans le secteur public, c'est une des pistes de réforme de la fonction publique, que de favoriser des parcours entre les administrations, mais aussi du public vers le privé et du privé vers le public. On le voit, les passerelles aujourd'hui public-privé sont souvent à sens unique. Est-ce que c'est un enjeu de travail et comment faire en sorte que ces passerelles aillent dans les deux sens ? Bien sûr, c'est un enjeu essentiel pour l'administration de manière générale, pour les ministères en particulier, parce qu'on voit bien qu'on a besoin de profils qui se sont frottés à d'autres environnements, à d'autres administrations. Effectivement, quand on devient ambassadeur, ambassadrice, on représente l'ensemble du gouvernement, et donc connaître d'autres administrations est un plus, c'est un atout évident, et donc avoir eu une expérience en dehors du ministère est un gros atout. Savoir comment on parle aux entreprises et donc avoir été au sein d'une entreprise, c'est aussi un atout important. Donc nous encourageons ces mobilités. Je salue les mesures que le gouvernement souhaite prendre très prochainement pour permettre que la disponibilité ne soit pas un frein aux promotions. Je crois que ça, c'est un élément qui répond directement à une inquiétude de nos agents. Parce que faire une mobilité, c'est toujours une prise de risque. Et donc il faut pouvoir trouver des cordes de rappel et donner des assurances aux collègues pour les encourager à sortir, de la même manière qu'il faut que le ministère puisse accueillir en son sein des profils diversifiés venant d'ailleurs. Nous le faisons déjà beaucoup dans notre réseau de coopération d'action culturelle, par exemple, mais aussi au sein de nos chancelleries diplomatiques. Mais nous continuerons à le faire, bien sûr. – C'était un des enjeux, j'avais assisté à un colloque de la DGAFP l'année dernière, où il y avait un fonctionnaire qui avait témoigné, il était parti dans une instance européenne, 2 ans, 3 ans, et il était revenu, et il n'était pas attendu, et ce qu'il avait fait, quelque part, avait servi à rien pour la suite de sa carrière. C'est un peu déprimant, parfois. – Ça ne sert jamais à rien, simplement, bon, il faut parfois avoir un retour sur investissement un peu plus lointain, mais… Juste un petit mot sur l'ouverture du ministère vers l'extérieur. Moi, j'ai la chance d'avoir au sein de mon équipe actuelle des gens d'autres administrations, quelqu'un qui vient du ministère des Armées, et d'avoir beaucoup de contractuels, de jeunes contractuels qui ont une riche expérience dans le secteur de la coopération. Et ça, je dois dire que c'est vraiment... ils nous apportent une richesse parce qu'ils ont un regard, une approche qui est parfois différente de celle du diplomate. Et je pense que toutes ces expériences et ces expertises mises ensemble, ça produit quelque chose de vraiment très, très efficace et très, très moderne, en fait. Et donc, l'ouverture du ministère aux contractuels, aux agents contractuels, je crois que c'est aussi important parce que les contractuels sont vraiment une richesse pour ce ministère. Ça aussi permet d'attirer de nouveaux talents. On arrive au terme de cet échange. J'aimerais beaucoup qu'on parle des questions d'égalité femmes-hommes, mais ça doit bien faire l'objet d'une deuxième émission, donc ce sera la deuxième partie de notre émission. Juste un mot en conclusion, chacune, si vous voulez bien, ceux qui nous regardent, à vous écouter, tout cela est passionnant, ça donne envie d'aller travailler au Quai d'Orsay. La question de l'attractivité ne se pose pas vraiment chez vous. Non, nous avons la chance de rester un ministère très attractif. Je crois qu'il il permet d'avoir des vies professionnelles diversifiées, très riches, d'avoir très clairement un sens
à son action, mais cela suppose aussi quand même une forte mobilité, une capacité d'adaptation et certainement des sacrifices dans la conciliation vie professionnelle, vie personnelle. J'ai envie de résumer votre propos d'un mot, l'engagement. L'engagement et la passion aussi. Je crois que c'est un métier de passion et tous mes collègues partagent cette passion pour ce métier qui est fascinant et qui permet de se réinventer tous les 3 ans ou 4 ans et de changer de métier. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous restez là, vous ne bougez pas parce qu'on va parler dans quelques instants d'égalité entre les femmes et les hommes au Quai d'Orsay et dans le secteur public en général. À très vite pour de prochains échanges. Merci.